Chang, nous marchons depuis des heures. Il faut qu'on s'arrête. Les hommes sont épuisés. Il est hors de question qu'on s'arrête. Réfléchis, Lin Chang, le temps travaille contre nous et tous les réfugiés attendent leur riz. Avancez tout doucement. Allez-y, les gars, courage! C'est toi, Lin Chang-ru. Et c'est bien toi qui es le chef de cette escorte, n'est-ce pas? Et d'où venez-vous? Et d'où on vient? Nous ne venons de nulle part. Et qui êtes-vous donc? Des voleurs. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Nous avons besoin de votre aide. C'est-à-dire? Nous voulons de l'argent et puis aussi du riz. Jamais. Ça, on verra. Vous ne me faites pas peur. Ah oui? Nous ne craignons personne. Ah! Nous aurons ce riz. La sécheresse s'est abattue sur le pays. Ce riz est pour les familles sinistrées. Et en quoi ça nous regarde? Nous aussi, on a faim. Nous escortons ce riz pour les réfugiés. Nous obéissons aux ordres. Ces ordres viennent du gouverneur. Ah! Maintenant, écoutez-moi bien. Je vous laisse choisir. Ou bien vous nous laissez ce riz ou on vous tue tous. N'ayez pas peur, nous sommes les plus forts. Ne soyez pas intimidés par ces bandits. Tu n'as aucune chance contre tous mes hommes, vraiment aucune chance. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. Tous les deux, vous avez trahi. À moi, à l'aide, il y a des traîtres parmi nous, à l'aide! Sauvage. Je t'avais prévenu, nous sommes très forts. Nous possédons des épées spéciales. Si vous vous entêtez, nous vous tuerons. Alors? Cette nourriture est destinée à tous les réfugiés victimes de la terrible et interminable sécheresse. Vous n'avez quand même pas le cœur à laisser ces gens mourir de faim. Imaginez que ça pourrait être vos familles qui souffrent, vos enfants. Ne prenez pas ce riz. Savez-vous le nombre de vies qui dépend de cette escorte? Ne condamnez pas ces innocents. Nous lutterons jusqu'au bout. Hey!
Suffisant. L'abominable sécheresse, j'avais imploré le gouverneur de donner du riz et de l'argent à toutes les familles affamées. Cependant, des bandits ont attaqué l'escorte. Il faut les châtier, les hommes d'être punis. Ils sont osés, punissez-la, man. Le gouverneur m'avait alloué 100 sacs de riz et 3000 pièces d'argent pour ces familles. Les bandits ont tout dérobé et ils se sont enfuis après avoir tué de nombreux porteurs. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Que vont devenir tous ces affamés? Tu as raison. Écoutez-moi, que tous ceux qui ont encore des provisions dans leur grenier les partagent avec les réfugiés. Inchao a raison, nous partageons tout. Je vous félicite pour votre cœur. Je vous aiderai moi aussi. Je vais ouvrir tous mes greniers. Vous pourrez y prendre ce que vous voulez pour les réfugiés. Que votre grande bonté soit remerciée. Admirez la générosité de votre maître. Merci, maître. Maître. Tu es sûr? Oui. Li Chan. Ne partez pas! Attendez! Fong vient de m'apporter une nouvelle. Il a appris que le vol avait été organisé par quelqu'un de notre village. Mais c'est impossible! Mais qui est-ce? C'est Li Chan Hu. Hein? Li Chan Hu? Non, comment ça? C'est pourtant un honnête homme! Je n'arrive pas à y croire qu'il ait pu faire une telle chose. Ce ne sont que des mensonges. On n'est pas sûr de sa culpabilité. Quelques témoins affirment l'avoir vu à la tête de groupes de bandits, mais il nous faut des preuves. S'il est coupable, il faut qu'il soit châtié. Oui, il a raison. Si Li Chano est coupable, il faut l'arrêter. Alors, il faut l'arrêter. Justice. Nous avons des ordres. Arrêtez! Li Chan Hu, nous sommes venus t'arrêter. Mais enfin, pourquoi? C'est toi le chef des voleurs. Jamais. Ça a été prouvé. Nous avons des témoins. C'est faux. C'est un mensonge. Ah!
Dépêche-toi. Non. Ne me battez pas. Ne frappez plus mon ange. Je veux revoir mon ange. Non, je ne veux pas, non. Je vous en supplie, arrêtez. Oh, non. Pourquoi est-ce qu'ils lui font ça? Li Chan, je sais que tu es coupable. J'espère que tu vas avouer. Mais je suis innocent. Non. Avoue. Où as-tu caché toute la marchandise que tu as dérobée? Je t'écoute. Je n'ai rien volé. Mon convoi a été attaqué. Est-ce qu'il est... Mia Fang. Et ton frère? Le tribunal populaire l'accuse d'être le chef des voleurs. Oh. Ils l'ont arrêté hier. Il faut que tu ailles voir Chinchu. Pourquoi? Tu es sa cousine, il va t'écouter. Demande-lui qu'il gracie Li Chan. Je vous en supplie, Bang. Dites-leur qu'il délivre Chan. Mais laissez-moi passer. Non. Je veux voir mon cousin. Non. Cousin. Je vous implore. Libérez Lin Chan. Libérez-le. Mia Fang. Il est innocent. Je vous en supplie, graciez-le. À mort. À mort. À mort. Venez m'implorer. Je sais que vous êtes la fiancée de Lin Chan. Vous voulez le défendre, c'est normal. Votre mais cet homme est un criminel. Non, il est innocent. Lin Chan Hu est innocent. Chan Hu, 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 Chan Hu. Détachez sa main droite. Tout de suite. Voici la liste de tous les crimes dont tu as été accusé. Tu vas la lire. Ensuite, il ne te restera plus qu'à la signer. Tu vas signer ton accusation. Tu lis et tu signes. Cet après-midi, vous vous êtes évanoui. Vous êtes ici, dans mes appartements. Mais où est Chan? Nous devons suivre la loi. Il va être conduit devant le gouverneur. Je sais bien que vous deviez bientôt vous marier. Mais hélas, Mia Fang. Mia Fang! Ha ha ha.
Occupez-vous d'elle. Tranquillisez-vous, je réglerai les funérailles. Madame, vous savez, je voudrais aider votre fils, mais ses crimes sont trop graves. Vous êtes de quel village? Nous sommes de Lai. Je n'en ai jamais entendu parler. Lai est un tout petit village à quelques kilomètres. Retournez-y. Oui, oui. Merci de votre aide. Merci. Vous pouvez aller dire à Chinchou que mon frère Chanou est innocent. Ah, il s'est échappé. Eh bien, qu'on le rattrape. Avertissez le grand gouverneur. Retrouvez cet homme. Il a défié la loi. Félicitations. Bonjour. Je cherche le chemin pour aller à Tang Wai. Qui allez-vous voir? Je vous écoute. Je rends visite à de la famille. Vous devriez être sur la grande route. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je me suis égaré.
Vous êtes magistrat? Connaissez-vous le gouverneur? Vous êtes venu enquêter? Mais allez-vous me répondre? Qui êtes-vous? Pardonnez-moi, je dois partir. Vous ne m'avez pas encore répondu. Vous allez rester là. Bon, ça reste à voir. Vous ne partirez pas tant que vous ne m'aurez pas dit qui vous êtes. Charmante enfant, je m'en vais. Maintenant, au revoir. Mon oncle? Ting. Ah, vous allez bien? Ah, quelle surprise alors! Ça fait si longtemps qu'on ne s'est vu. Allez, entre! Toi, ça alors! Quelle surprise, hein? Je suis tellement ravie de te voir, Yoon. Oh, j'espère qu'il restera ici quelque temps. C'est pour Kao. Oh! Où est-ce qu'il est? Il est en train de s'amuser dans le jardin. Chère tante, voici un petit cadeau. Oh, Yoon, je te remercie vraiment infiniment. Oh, merci. Yoon, dis-moi comment va ta mère. Très bien. Tu restes ici plus longtemps que la dernière fois. Ah, oui, oui. Assieds-toi, je te prie. La sécheresse a été terrible dans la région, à ce qu'on m'a dit. Eh oui, en effet. Auriez-vous besoin d'argent? Non, non, nous nous débrouillons. Ne t'en fais pas pour nous. Que dit-on à la ville de notre affaire? C'est très compliqué, cher oncle. C'est une affaire très grave. Connaissez-vous un homme du nom de Lin Chan-woo? Est-ce que c'est lui, le voleur? Non. Lin Chan-woo est un honnête homme. Cependant, les charges qui pèsent contre lui sont extrêmement sérieuses. Un représentant du gouverneur doit arriver aujourd'hui. Il va arrêter Lin Chan. Oh, Yoon, Yoon, je viens de préparer ta chambre. Yoon, ce long voyage a dû t'épuiser. Va donc te reposer, hein? Mais je vais très bien. Oh, va acheter du vin et du meilleur. Célébrons son arrivée. Oui, j'y vais de ce pas. Laissez-moi aller acheter ce vin. Mais tu vas te perdre dans le village. Mais voyons, je suis certain que non. Oh! Kao, viens voir qui nous rend visite. Oh, mon oncle! Allez, saute. Et sois sage, hein? Et occupe-toi de ton oncle. À tout à l'heure. Est-ce que je suis heureux? Tu es très doué. Hein? Tu suis des cours? Ah oui. Hé, hey, attention! Et qui est ton maître? Chan-woo. Ah, où réside-t-il? Tu le sais? Allez, va, dis-moi où il réside. Ce sera un secret entre nous. La situation est grave, mère. Je sais, mon enfant, je sais. Je m'inquiète tellement pour toi. Que va-t-il t'arriver? Tout s'arrangera, tu verras. Ne te fais aucun souci pour moi. Hé, hey, qui est là? Alors? J'ai soif, je voudrais de l'eau.
Je vous en prie. Le mot des petits, n'est-ce pas? Vous êtes encore perdu, n'est-ce pas? C'est sans doute vous qui venez enquêter. Qu'êtes-vous venu faire dans la région? Est-ce que vous êtes Lynchan? Et quel est votre nom? Oh, mon nom n'a aucune importance. J'exige que vous me le disiez. Ceci est à vous. Encore. Ouais. Maintenant, l'arc. La cible. Tu es un chef, Kao, bravo. Maintenant, va jouer tout seul. Laisse Lynchan tranquille. Allez, à demain. Fais très attention à toi. Ils sont tous à ta recherche. Connaissez-vous les intentions de Chiu? Bien sûr. Il a envoyé un émissaire pour t'arrêter. Il faut que j'arrive à prouver mon innocence. Mais en attendant, il faudrait nourrir tous les réfugiés. Nous devons nous débrouiller. Et c'est urgent. J'ai un peu d'argent. Je vais te le donner, mon enfant. Fong, vous avez déjà trop fait. Oublie tout ça, Lichang. Au fait, si jamais j'ai du nouveau, je te ferai prévenir par Kao. Cette fois, tu es fait, Lin Chanou. Si tu veux t'approcher, je lui transperce le corps.
Je suis votre serviteur. Qui êtes-vous? Je me nomme Chikuei. Et que venez-vous faire ici? Je suis envoyé ici par le grand gouverneur général. C'est au sujet de... On doit l'arrêter. Nous avons des ordres. Hein? Mais quels ordres? Personne ne m'a mis au courant. Satané idiot! À cause de vous, il s'est enfui. Bande d'imbéciles! Mais je vous préviens, vous allez me le retrouver. Allez le chercher, trouvez-le! Yuting, il faut avoir confiance. Mes hommes vous le retrouveront. Yuting, notre seigneur Chinook a demandé à vous voir. Dites-lui que je le verrai plus tard, je dois vérifier certaines choses encore. Ainsi c'est toi qui es envoyé par le gouverneur afin d'arrêter Lin Shangwu. Mais mon oncle, c'est mon devoir, je n'ai vraiment pas le choix. Un tel devoir est bien abject. Je suis là afin de découvrir la vérité. La vérité. Adresse-toi à Shin Shu pour cela. Ce Lin Shan-Hu n'est qu'un satané rebelle. Il a attaqué l'escorte et volé toute la nourriture pour les réfugiés. Il faut le jeter en prison sur le champ. La population tout entière est effrayée de le savoir en liberté. Si nous étions certains qu'il avait volé la nourriture, tout serait simple. Mais il y a un doute. De quoi? Je suis certain que cet homme est coupable des faits dont on l'accuse. Hein? J'exige qu'il soit jeté en prison. Cet homme est un criminel. On ne peut quand même pas condamner cet homme sans être absolument certain qu'il a attaqué l'escorte et pillé toute la nourriture et volé l'argent. Oui, mais je suis certain que Lin Shan-Hu est coupable et un procès ne sera même pas nécessaire. N'importe quel homme doit avoir le droit à un procès, c'est la loi qui veut ça. Mais quelle loi? C'est le gouverneur général lui-même qui a condamné cet homme et c'est lui également qui a décidé de le jeter au cachot sans autre forme de procès. Avant de condamner cet homme, il nous faut ses aveux. Tout d'abord, il nous faudrait l'arrêter. Ça, moi, je m'en occupe. Oh, je vous fais confiance. Je sais que grâce à vous, nous allons résoudre cette affaire. À notre succès. Maître Yunting. Qu'y a-t-il? J'ai du nouveau. Nous venons d'apprendre le lieu où se cache Lin Shan-Hu. Allons-y. Je vous fournirai des hommes. Je vais m'occuper de préparer une embuscade, mais cela doit rester très secret. Surtout, n'en parler à personne. Pendant toute l'opération, nous communiquerons par signaux. Merci tous, mes frères. Si je suis vivant, c'est grâce à vous, grâce au soutien que vous m'avez tous apporté. Désormais, je sais que j'ai des alliés. Lin Shan-Hu,
Nous savons que tu es innocent. Nous sommes prêts à te soutenir jusqu'au bout. Tu n'as qu'un mot à dire, un ordre à donner, et aveuglément, nous te suivrons. N'aie pas peur, les gens, n'aie pas peur. Je vous remercie beaucoup. Il va falloir agir. Il nous faut retrouver celui qui a organisé l'attaque de l'escorte. Moi, je ne vois pas qui ça pourrait être, et toi, tu as une idée? Il y a autre chose. Nous devons retrouver le riz qui a été volé. À cette heure, les recherches n'ont rien donné. La cargaison est bien cachée. Il n'y a aucune trace ni du riz ni de l'argent. Ceux qui ont attaqué l'escorte ont certainement des appuis haut placés. Mais qui protégerait ces bandits? Je pense qu'il s'agit de Chin Chu. Et j'ignore pourquoi il agit de la sorte. Car il n'a aucune raison de s'attaquer à moi. Chin Chu a l'air très respectable, mais en vérité, il n'y a pas plus fourbe que cet homme. Il est assoiffé de pouvoir. Écoutez, si Chin Chu est un imposteur, faisons-le savoir au peuple. Écoute, Lin Shan, pour être sûr de sa culpabilité, allons voir si le riz est dans son grenier. Ling Dong a raison. Allons là-bas et nous verrons bien si le riz est. Oui, c'est ça. Allons là-bas. Au lieu de parler, dépêchons-nous. Et attendez, nous n'avons aucune preuve que Chin Chu soit coupable. Nous pourrions être accusés de diffamation et sévèrement punis s'il s'avérait que nous nous soyons trompés. Nous devons faire notre enquête discrètement et nous devons réunir le maximum de preuves afin qu'il soit condamné. Il y a quelque chose que vous ignorez. Le grand gouverneur a envoyé quelqu'un afin que je sois bientôt condamné. Qui est-ce? Il se nomme Yun Ting. Le voici. Ça alors? C'est un espion. Yun Ting, sois certain que ta dernière heure est arrivée. À l'évidence, vous vous êtes très bien renseigné. Laissons-le. Et pour quelle raison? À mort! Il faut le tuer! Je ne peux pas tuer cet homme. Cet après-midi, il m'a aidé en me laissant m'échapper. À mon tour de lui laisser la vie sauve. Désormais, nous serons quittes, mais prends garde, Yun Ting. Je ne te dois plus rien. Nous allons nous retrouver très bientôt. Et je suis persuadé qu'alors, tu auras perdu ton arrogance. C'est certain. Ils ne sont pas dans le coin. Allons plutôt chercher vers l'ouest. Entendu. Allez, suivez-moi. Oui, mon oncle. À l'intérieur. Oncle Feng. Te voilà enfin revenu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les hommes de Chin Chu nous ont attaqués. Ils se sont emparés de tous tes biens. Et puis ils ont frappé ton oncle. J'ai hâte de parler. Si tu es venu ici afin d'arrêter Lin Shan, je ne veux plus que tu remettes les pieds dans cette demeure et je ne reviendrai pas là-dessus. Mon oncle, essayez de me comprendre. Je suis ici afin de mener à bien mon enquête. Lin ne sera pas condamné s'il est innocent. Mais de quel côté es-tu? Je suis du côté de la justice, mon oncle. J'avais en effet donné l'ordre de rapporter ses affaires dans ma résidence, mais en aucun cas celui de frapper votre oncle. C'est entièrement de ma faute. Je me suis mal exprimé et mes ordres ont été mal compris. Mes hommes ont seulement cru bien faire. Allez me chercher le capitaine Lin Gao, et en vitesse. À vos ordres. J'irai m'excuser personnellement auprès de votre oncle. Je paierai également pour ce qui a été brisé. Monsieur Yun, j'ai vraiment besoin de votre collaboration. J'espère que cet incident ne mettra pas fin à notre amitié. Mais bien sûr que non. Rien ne saurait me faire plus plaisir.
J'ai tout à fait confiance en vous, Yon. Je sais que vous résoudrez cette affaire. Depuis votre arrivée, je sais le village plus en sécurité. Les gens du village n'ont aucune raison d'avoir peur, car je commence à croire que Lin Chan-woo est bien innocent. Oh non, on vous a donné de faux renseignements. J'ai effectué ma propre enquête. Quelqu'un d'autre a dû faire le coup, mais ça n'est pas Chan-woo. Que ce soit lui ou non, je vous fais confiance de toute façon. Je sais fort bien que vous arrêterez le coupable. Je vais essayer de faire au mieux. Parfait. Mais vous devez être très fatigué si vous voulez vous reposer dans votre chambre. Voici. Merci. Je vous en prie. Quel festin. C'est un repas très simple. Je vous en prie. Allez-y. Il vous reste encore du riz. Je vous le laisse ici à la chaleur. C'est très gentil. Avoir essayé de me tuer. Mais à la fin, allez-vous me répondre? Vous êtes venu arrêter Lin. Et vous allez condamner un pauvre innocent. Je suis la fiancée de Lin. Nous devions nous marier à la pleine lune. Mais après l'attaque de l'escorte, Chinchu a abusé de moi. Désormais, je suis sa prisonnière. Je veux aider Lin Chan. Je ferai n'importe quoi. Ma vie est sans importance. Faites attention. Nous sommes espionnés. Qu'est-ce que vous voulez? Votre frère. Laissez mon frère où il est. Il n'a fait de mal à personne. Soldat. Ici. J'ai eu des difficultés à vous trouver. Où est votre fils? Mais je l'ignore. Vous l'ignorez, j'en suis pas si sûr. Je l'ignore. Moi, je suis persuadé que vous savez qu'il est caché chez vous. Il n'est pas là. Oh non. Je veux pourtant le voir, c'est important. Je vous demande de croire que je ne lui cherche pas querelle. Je voudrais simplement lui parler, c'est au sujet d'une affaire délicate. Il faut simplement qu'on discute. Et vous pensez que je vais vous croire? Vous n'êtes qu'une saleté. Vous allez trop loin.
Chinchou, vous devriez avoir honte. Que l'on m'ôte ça de la vue. Espèce de vieux débris. Chienne. Je suis là! Je suis là! Notre mère vient d'être arrêtée. Quoi? La maison brûle. Il faut que je m'y rende. Attends, moi je m'occupe de mère. Toi tu vas au village. Allez, fais ce que je te dis. Je ne pardonnerai jamais ce que tu as fait. Pourquoi t'en es-tu pris à ma mère? Mais est-ce que j'avais le choix? Il fallait bien que je te retrouve. Saleté! Comment est-ce que tu as pu? Si tu me dis où tu as caché le riz et l'argent, alors je te relâche. Le marché est honnête, non? Je n'ai jamais rien dérobé. Et ça, tu le sais mieux que quiconque. Je pense que tu me comprends. Le voleur ici, ce n'est pas moi. Ça signifie... Personne ne m'a jamais traité de voleur. Tu vas être le premier et le dernier. Ça y est, j'ai le voleur. Il est à votre disposition. Vous pouvez l'interroger. Joli travail. Je vous félicite.
Jigwai, ne soyez pas tendre avec lui. Yunting, ma tâche est terminée. C'est à vous de le prendre en main, à vous de le châtier. Mais je ne suis pas un bourreau. C'est-à-dire? Cet homme doit être jugé par un tribunal et pas par moi. Mais vous avez tout pouvoir, il me semble. Mon travail consistait à enquêter. Mais il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. On doit donc le châtier. Cet homme n'a jamais avoué, il est peut-être innocent. Il est coupable, c'est certain. Ce n'est pas une certitude. Mais vous plaisantez. Des témoins l'ont vu voler. Ça ne suffit donc pas. Pas à mon opinion. Je n'y comprends absolument rien. Il a assassiné certains de mes gardes et il serait innocent. Un meurtrier doit toujours être puni. Comment osez-vous, vous qui avez assassiné ma mère? Il divague. Si vous ne voulez pas le punir vous-même, je m'en chargerai donc. Je n'ai pas besoin de tribunal pour faire régner la loi. Continuez la torture. Mon oncle! Mon oncle! Où est-il? Il est là-bas. Ma mère est décédée. Et mon frère Lin est en prison. Ah oui, ça alors, il y a de quoi être fier de vous. Je n'ai plus aucune famille, je n'ai plus personne par votre faute. Et vous osez venir sur cette tombe. Un homme tel que vous n'est pas digne de vivre. Écoutez. Allez-vous-en. À cause de vous, Chin Shua a arrêté Lin Chan. Il va l'assassiner. Chan Wu va être jugé avant d'être condamné et libéré s'il est innocent. Vous devez avoir confiance dans les tribunaux. Votre frère prouvera son innocence. Yunting, Lin Xiangyu est innocent et tu dois me croire. C'est un homme bon et généreux, je t'assure, Yunting. Tu ne peux pas le laisser condamner. Les tribunaux jugeront. Je suis vraiment désolé de m'être énervé. J'espère seulement, monsieur Yunting, que je ne vous ai pas offensé. Voyez-vous, certains de mes gardes ont été tués. Et ceci m'a bouleversé. Bouleversé, oui. Ces hommes étaient de très vieux compagnons. Je comprends cette douleur. Je vais prendre en charge leur famille. Quelque chose d'autre me tracasse. Shan Yu est encore très populaire, cela m'effraie. Il a de nombreux amis. Très nombreux. Enfin, voyons, de quoi avez-vous peur? Et s'il se révolte? Imaginez une seconde. S'il décidait de nous attaquer par surprise, hein, comment pourrions-nous réagir? Et si ça se trouve, ils essaieront de sortir Lin de prison. Ça m'étonnerait qu'ils aillent jusque-là, tout de même. Si j'arrive à connaître le nom des partisans de Lin, je les écraserai. Ils sauront qu'on ne modifie pas impunément. Xinqiu, votre dîner est prêt. Laissez-nous. J'espère que vous me ferez l'honneur de partager ce repas. Manger vous fera le plus grand bien. À tout à l'heure. Bonne soirée. Restez donc dîner avec nous. Monsieur Yunting en sera enchanté. Je regrette une autre fois. Bon appétit. J'espère que ce repas vous plaira. Je vous en prie, asseyez-vous. Il va absolument falloir que j'éloigne Lin de cette ville. Car sinon, très prochainement, les partisans de Lin vont faire un malheur. Vous croyez? J'en suis certain. Je vais l'envoyer au tribunal dès demain. Pour des raisons de sécurité. Il faut prévoir une importante escorte, afin de pouvoir résister à toute attaque. Cher ami, j'aurai grand besoin de votre aide. Expliquez-vous. Vous avez la réputation d'exceller au kung-fu, c'est pourquoi je veux que vous défendiez l'escorte.
est votre mari? Lin Chan-ou est en danger. Monsieur Fung. Monsieur Fung. Qu'y a-t-il? Votre neveu est en danger. Venez vite. Fung, attends, attends. Ah. Les clés. Alors, tu le dis? Elles sont chez le maître. Qu'est-ce que tu fais là? Faites attention, j'entends du bruit, allez-vous-en! Foutez-moi le camp! Attends, il faut partir! Lynn! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Lynn a voulu s'enfuir! Attendez. Eh bien, il est temps. Cher ami, sachez que j'arrive toujours à temps. Enfermez-le.
Chan. Chan Hu. Mia Fang. Chan. Oh, mon pauvre chéri, si tu savais. Tais-toi, chérie. Chan. Je veux rester avec toi. Je veux être à tes côtés, mon amour. Garde-moi avec toi. Comme tu as dû souffrir. Oh. Où sont Lily et nos amis? Ils se sont enfuis. Chan Hu, regarde ce que j'ai volé. C'est une lettre. Je sais qui est le voleur. Écoute, mon chéri, vite allons-nous-en. Enfuyons-nous sans attendre. Chincho, tu n'es qu'un salaud! Oh. Chincho, salopard, je te tuerai! C'est toi qui as volé le riz. Tu avais un complice, ça je le sais. Tu es un assassin et un voleur! Sois-tu, faites-lui les pires tortures. Arrêtez-vous. Vous ne dormez pas encore? Qui est-il? Chincho, je suis heureux que vous ne l'ayez pas tué. J'ai tout découvert, il est innocent. Chikwei, arrêtez aussi mon ami Yunting. Dépêchez-vous. Ils vont avoir des difficultés pour m'arrêter. Figurez-vous que j'ai volé toutes leurs armes. Relâchez-nous tous les deux. Vous libérez? Quelle excellente blague. Très drôle. Très drôle, je l'avoue. J'y croyais. Arrêtez cet homme! Oh!
C'est bien lui, le cerveau, je le savais. Et son complice, alors? Cette ordure va bien nous dire où il se trouve. Et en allons-nous-en. Aidez-moi. Jean, à l'aide! C'est vous, Jinbao? Voilà ce qu'ils ont volé, maître. Yunting, quel bonheur de se retrouver. Alors, le complice, c'est toi. Tu n'étais pas assez riche, hein? Il a encore fallu que tu t'attaques aux plus démunis. Tu devrais avoir honte. Tu l'as accusé. Mais tu ne vas pas t'en tirer. Et qu'est-ce que tu as encore comme preuve? Aucune, évidemment, tu l'as brûlé. Et tu crois que les gens vont gober tes affabulations? Yunting, ton rôle consistait à mener cette enquête. Au lieu de ça, tu t'es accoquiné avec un criminel et un voleur, car pour tous, Lin est un voleur. Vous serez démasqués. Vous et vos complices, bande de traîtres, vous serez châtiés et durement. Le peuple vous punira, tous les deux. On ne le trompe pas impunément. Tu vas la fermer, sinon je te tue. Jinbao. Il ne faut pas qu'on les tue. Et pourquoi? Ce sont des témoins gênants, alors éliminons-les. Si quelqu'un l'apprend. Tu as raison, alors qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je viens d'avoir une idée. Je n'aurais jamais réussi à trouver mieux, non? Si l'amitié qui vous lie est vraiment profonde. L'un aura le droit d'utiliser ses pieds uniquement et l'autre ses mains. Ceci sera un combat à mort, je vous souhaite donc bonne chance à tous les deux, que le meilleur gagne. Je vais vous donner un conseil. Essayez de vous faire tuer dans ce duel, ce sera mieux pour vous. Car si vous survivez, ce sera encore plus cruel. Et en effet, le gagnant sera découpé en morceaux par mes soins. Préparez-vous au combat. Et surtout, gardez en mémoire que le gagnant sera coupé en morceaux. Commencez sans attendre. Je vous le demande, Yun, écoutez, laissez-moi être le gagnant. Non, Lin Shan, laissez-moi être victorieux, je vous en prie. Allez! Ah!
pas les piéger. Arrêtez donc de faire les marionnettes, sinon je vous tue. Aussi arrogant, dites-donc. Saute! L'enfer n'est pas terminé, mes amis! Jin-Chu! Jin-Chu! C'est bien moi. La fête est finie. Comment? Je sais désormais que c'est toi qui as organisé l'attaque de l'escorte. Amenez Ling. Ton complice a tout avoué. Tu as voulu nous faire croire que tu étais un homme honnête. Mais ne va surtout pas penser que tu nous as abusés. En réalité, Shin Pao, tu n'es qu'un criminel doublé d'un bandit. Ton petit jeu est devenu lassant. J'ai reçu des ordres du grand maître. Tu es condamné, sans jugement. Viens donc m'attraper. Tuez-le. Allez, ne vous laissez pas faire. Allez,
trouvé, Chinchou. Le bougre s'est enfui. Tu vas payer pour le mal que t'as fait. Maudit sois-tu. Shannon, on a enfin gagné. Oh, mon oncle!
ça va mieux. Merci. Tenez bon. Mon oncle. Non. Lui, Chanou. Chanou. Chanou.